Salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de sorties à l'affût avec en prime à la fin un petit tournage avec un petit cuisinier de la Bresse pour préparer ce chevreuil justement qu'on aura prélevé. A l'occasion de cette vidéo, on vous fait gagner une stable stick. Une stable stick comme ceci. Pour la gagner, c'est tout simple, vous allez sur notre Instagram Chasseur par Nature. Les liens sont dans la description. Et vous n'avez plus qu'à suivre ce qui sera marqué dans le post. Je vous le mets juste là. Cette stable stick est offerte par notre partenaire Hunting Performance. Les liens de sa boutique sont également dans la description. Et vraiment, c'est une canne de pirche que j'affectionne. Ça fait déjà plusieurs temps que je chasse avec. C'est quand même une canne de pirche qui est vachement stable. Je dirais une des plus stables du marché. Lorsque vous tirez, vous êtes vraiment à l'aise. Et vous bougez pas. On vient juste mettre sa carabine comme ceci. Hop, à l'avant, à l'arrière. Et là, on peut tirer vraiment, vraiment très allègrement. On ne bouge pas. Vous êtes presque sûr de ne pas louper. Mais ça, c'est autre chose. Bon allez, je vous laisse avec les parties de chasse. Et puis on se dit à tout à l'heure. La zone étant trop calme, on a donc décidé d'aller piercher comme on avait prévu. On arrive sur une zone et je regarde dans les jumelles. J'aperçois tout de suite un petit brocard qui mérite pas d'être tiré cette saison. Les bois sont encore tout clairs et on préférera donc l'observer pour le tir d'été. Donc là, on arrive sur une zone qui est juste à côté de là où on était à l'affût en début de soirée. Et on observe un brocard, une chevrette et un chevrillard. Le chevrillard est tout petit et donc ça pourrait faire un super tir de fin de saison. Le chevrillard n'est pas forcément en bonne posture et je trouve le tir encore un petit peu loin. Donc avec William, on se rapproche d'une vingtaine de mètres. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de mettre la canne de pirche et d'attendre le moment le plus propice pour pouvoir tirer ce petit chevrillard qui, en plus de ça, n'est vraiment pas gros pour cette période de l'année. Les minutes passent et le chevrillard ne bouge pas et la nuit tombe encore de plus en plus vite. Et là, c'est à ce moment où il est en train de se décoller pour aller manger un petit peu plus dans la prairie que je décide de le tirer et l'action est vraiment superbe. J'aimerais bien qu'il se mette vraiment droit. Putain, il serait bon. La chevrette et le brocard sont un petit peu perdus par cette balle et on peut même voir que le brocard arrive et qu'en fait finalement il reste dans la prairie. Que d'émotion là, putain, un truc de fou. Un brocard, une chevrette, un chevrillard qui sortent pas loin de là où on était au tout début. On est reparti, on a repirché tout le long et puis là l'occasion se présentait bien. Le chevrillard s'est mis comme il faut. Et puis j'ai pu faire une balle et il est tombé net. Je suis trop content. J'espère qu'on aura tout comme il faut à la caméra. Mais que d'émotion. On va attendre un petit peu quand même avant d'aller dessus. C'est toujours bien d'attendre, mais au moins ça y est. Je suis content parce que ça fait une paire de sorties que je fais et qu'on fait rien. Et puis là, soir, William est là. Donc, première fois qu'on va la faire ensemble. Donc, ça fait vraiment plaisir de prélever avec lui ce petit chevrillard. Allez, on va aller voir ça, mais en tout cas, la soirée est merveilleuse. Nickel.
super petit chevrillard. La balle a l'air belle, mais en tout cas c'est un super animal et l'approche était vraiment magnifique. C'est un chevrillard qui est plutôt petit, c'est bizarre. Il est vraiment pas énorme, mais la balle est parfaite et il est tombé net et c'est vraiment le principal. Donc il n'y a plus qu'à lui rendre les honneurs. On va prendre une petite branche de sapin. C'est le seul arbre qui est encore à peu près vert à cette heure-ci. C'est toujours mieux de mettre une petite brisée qui est encore en couleur. Le 17 février, la saison commence à se clôturer. Les plans de chasse avancent tranquillement. Il faut qu'on finisse. Hop, petit bout de plastique, on le jette pas. 17 février. Tac. Au moment de mettre la bague sur l'animal, on voit qu'il a un petit problème au niveau de la patte, une petite éraflure qui remonte jusqu'à l'arrière-train de l'autre côté. Et on ne sait pas de quoi ça vient, donc si vous avez déjà vu ce genre de phénomène sur un chevreuil ou sur n'importe quel autre animal, on est bien preneur et dites-le nous en commentaire. On va baguer avant de le déplacer et de faire nos quelques petites photos. Voilà, la première partie du chevrillard est terminée. On va se retrouver sur une chasse un petit peu plus hivernale où on va essayer de chasser un chevrillard également, mais aussi le faon. Bon, salut à tous, on se retrouve pour une petite soirée d'affût hivernale. Il fait bien froid. On a des températures qui descendent plus que moins 10 la nuit. Et comme vous pouvez voir, on est sous la neige. On verra bien ce que ça dit. On va essayer de tirer soit un chevrillard, soit un faon. Je pense justement plus qu'on aura de chance sur le chevrillard, mais bon, on sait jamais. Sur une zone qui est plutôt intéressante, on voit pas mal de gibier et puis on verra ce que ça dit. Allez, à plus. Bon, à peine installé qu'on a déjà beaucoup de mouvement vu qu'il y a déjà 6 chevreuils sur la zone. Il y a une chevrette qui a déjà sur un chevrillard. Il y a un brocard en velours qui est pas vilain du tout. Arrivé en bas du champ, on remarque tout de suite qu'il y a 3 chevreuils qui sont en plein milieu et on les avait pas remarqués vu qu'on était concentré sur l'autre groupe de chevreuils. Donc il y a une chevrette et 2 chevrillards. Malheureusement, impossible d'effectuer le tir. Ça fait une bosse et comme vous pouvez le voir à gauche, il y a un village. Le tir serait absolument pas sécuritaire. Donc on se contente de regarder ces petits chevreuils, on en prend plein les yeux. Et en plus, avec ce paysage, ça rend vraiment une scène magnifique. Il se préoccupe pas trop de nous, juste au moment où la chevrette reprend le vent. Là, par contre, on se fait voir directement. On n'a pas eu beaucoup de réussite, mais maintenant, je vous emmène avec moi chasser un brocard en bois. Et vous allez voir que j'aurais eu plutôt de la chance, malgré que ça soit une partie de chasse qui a été plutôt longue. Parce que ce qu'on a chassé
toute la journée. Et donc, en principe, je les vois là, je les ai pas vus avant. Sur la route, je les ai pas vus. Mais ils peuvent être très bien couchés dans les haies. Et c'est pour ça qu'il va falloir avancer tout doucement et à très très bon vent. Et s'habiller comme ça quand on est en pleine, c'est le plus important parce qu'ils ont souvent des doutes et ils nous voient très 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 loin. Donc c'est pour ça que je préfère m'habiller comme ça. Allez, on se tient en courant et je vais essayer de vous faire vivre la même chasse que je vais essayer de vivre en tout cas. Et pourquoi pas déboucher sur un petit prélèvement. Mais on va voir et si on n'a pas d'occasion et qu'il y a d'autres animaux, et ben, ce qu'on fera c'est quelques petites photos et c'est bien aussi. Allez, à plus. On va faire un petit point rapide tout vite. J'ai repéré une chevrette avec deux chevrières. Il est 10h, mais ici ça sort toute la journée, c'est incroyable. Qui était juste là-bas, là. Puis elle est redescendue. Et là, ils sont derrière une butte. Donc j'attends un petit peu de voir s'ils repartent au bois ou s'ils restent en plaine. Mais ils ont l'air de rester en pleine. Ça fait déjà 10 minutes que je suis là et que je les vois plus. Donc c'est qu'ils sont dans la basse. Je vais prendre tout le champ, je vais couper à travers champ pour repartir sur une clôture. Et une fois arrivé sur la clôture, je descendrai tranquillement, essayer de voir où ils sont, si je peux envisager un tir ou pas du tout. Mais il y a de grandes chances que je prenne juste des photos. J'arrive sur la zone où je voulais être et en fait je vais observer davantage puisque j'ai une petite hésitation sur mon identification de base. En regardant un petit peu mieux dans la lunette et en faisant des photos, je vois que le brocard a deux petites perches, qu'il est déjà teinté, qu'il est déjà refait et donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il se lève pour pouvoir envisager un tir. Ça fait 2 heures que je suis. Oh la vache! Putain, ça fait 2 heures que je suis sur le champ là. 2 heures que je regarde. Putain, c'est incroyable en plus. C'est un truc de malade. Ça fait 2 heures que j'attends que le brocard se mette de travers. Je mets une balle, bah, il est mort. Il est tombé net. Donc je suis super content. Oh la vache, putain de merde! Et quand je vous dis 1h30, 2h à rester là et à attendre qu'il se mette de travers, je peux vous dire que c'est très très long. Le tir était pas facile, il était long. Assez lointain, j'avais réglé la sauveur. J'avais remis à 1 la sensibilité. J'avais pris la lunette de Mathieu parce qu'on est en plein jour et je vois mieux dans celle-là que la lunette d'affût que j'utilise normalement. Mais vu que ça sort toute la journée, je suis en couleur. Putain, c'est incroyable! Incroyable de faire un bouc teinté à 23 février. J'avais fait pareil l'année dernière au même endroit, juste derrière moi là-bas. Et là, c'est incroyable. On va aller voir ça, mais je suis trop content. Trop, trop content. Super petit brocard. Putain, j'avais pas vu ce petit andouillet derrière. Mais plus que sympa. C'est un brocard qui m'a pas l'air vieux. Pas l'air vieux du tout. Mais très sympa. Même plus que ça, il est magnifique, il est superbe. On va rendre ses honneurs à ce très beau brocard qui m'a pas rendu la tâche facile. Bon, les plans de vue sont pas ouf tout seul, c'est pas évident. Mais on va commencer par faire le bracelet. On est le 23 février. Je tire toujours un petit brocard en février ici parce qu'ils sont beaux et teintés. Mais s'il n'aurait pas été teinté du tout et qu'il était encore en velours, je l'aurais pas tiré du tout. Mais il faut qu'on avance dans le plan de chasse ici. On a beaucoup de chevreuils. Beaucoup, beaucoup. C'est bon, il est bien fermé. Je vais rechercher ma voiture. Je vais venir le chercher, le vider, le préparer.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors, c'est une toute première sur notre chaîne, une vidéo cuisine. On a la chance aujourd'hui d'être avec un petit chef cuistot de la Bresse, un copain à moi depuis déjà une paire d'années. Alors, présente-toi un petit peu. Eh bah, moi, je m'appelle Antoine Lodino, 22 ans. Je travaille actuellement au bar de l'Atypique, un bar à vin à la Bresse. On a développé le côté restauration il y a un an et quelques mois. Donc, on s'éclate bien. On a des bons retours clients, c'est top. Ok, impeccable. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai pu prélever un chevrillard et un brocard en fin de saison. C'est l'occasion d'entamer la saison d'affût qui arrive vraiment incessamment sous peu. Et donc, pour un petit peu avancer dans cette vidéo, sur le thème de la cuisine, on va préparer du coup du chevreuil, le brocard que j'ai pu prélever en cette fin de saison. Et du coup, Antoine, dis-nous un petit peu comment on va faire pour faire une petite recette simplement à la portée de tous. Alors, on va faire un ragoût de chevreuil à base de fond brun, chevreuil, petits légumes, petite garniture. On va faire 3-4 garnitures bien sympas. La petite sauce vin rouge, ça va être top. Ça va être plutôt pas mal. Ouais, normalement, on devrait bien manger. Du coup, on se retrouve en cuisine, sauf que c'est pas moi qui vais faire la recette avec Antoine. Je vais laisser Romain et Théo s'en charger. Et puis, on se dit à tout à l'heure pour la dégustation. Alors, pour faire le ragoût de chevreuil, il vous faudra du chevreuil. Donc là, on a de la côte. On va récupérer uniquement le filet. De la pièce à ragoût. Après, on va partir sur deux garnitures. On va partir sur une purée de carottes et une purée de céleri. Alors, il nous faudra des oignons nouveaux. Ça, on est en plein dans la saison, c'est super. Il nous faudra des navets. On va faire une autre garniture avec, ça va être top. Les carottes, bien sûr. Un peu de Melfort pour faire la purée de carottes. Des asperges. Le céleri, après épices. Donc le sel, le poivre, un peu de curry, de la farine pour lier la sauce, du fond brun préparé à l'avance et un peu de vin rouge. Les genoux pliés et en chasse-neige. Et là, les pouces en avant, les pouces en avant. La vraie question, c'est vraiment pas si c'était bon. Et ouais, franchement, c'était cool. Et il voulait que j'aille travailler. C'est ton épaule ça? Ouais, c'est la même pas du coup. Ah oui, c'est bon. Enfin, j'en ai pas trouvé d'autres. Ouais. Alors du coup, comme on vous a montré tous les ingrédients juste avant, on a tout épluché, on a tout coupé. Donc là, c'est les navets en petites billes. Les asperges, on a juste enlevé les écussons. Les petits oignons nouveaux, juste coupés en 4. La viande, on a récupéré les filets, on a tout coupé. Céleri, pareil, en gros cube, c'est pour faire de la purée, ça ira très bien. Les carottes en petites rondelles. L'assaisonnement qu'on va mettre dessus. Et voilà. Tiens, pour la purée de carottes, impeccable. Tu mets un peu de Melfort. Un peu comment? De curry, un petit peu de cuillère à soupe. Alors, tu verses, vas-y. Hop, des belles cuillères à soupe. Tu me rajoutes un peu de curry dedans. Curry. Qui est juste là. Là, je viens de mettre du sel à l'intérieur. J'en mets combien? 2-3 pincées. Nickel, donc là, on va juste mouiller à hauteur, enfin un petit peu plus qu'à hauteur, sur le feu, jusqu'à ce que ça soit fondant. Après, on va tout passer au tamis. Le céleri. Juste céleri nature comme ça, on va juste mettre un petit peu de sel. Encore un petit peu parce que le sel c'est bon. Et hop, de l'eau. Et c'est parti. Hop, donc là on a les carottes avec le vinaigre et tout. T'allumes la plaque, tu la mets à fond. À fond? Ça va bouillir, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait Antoine maintenant? Alors là, bah là on va partir sur le vif du sujet. Ah, le vif du sujet, donc c'est le chevreuil. Beau petit chevreuil tué par notre caméraman Clément. Nickel. Donc on va allumer la plaque, on va juste mettre un tout petit peu de beurre, enfin un tout petit peu, tu m'entends? Une noisette? Une bonne noisette. Une noisette. Donc là on va attendre que le beurre fonde un petit peu.
et puis après on va faire revenir les morceaux de chevreuil dedans. Là, c'est juste pour saisir la viande. Là on va juste saisir la viande. D'accord. Après on va faire ce qu'on appelle singer la viande. Je te montrerai. Le beurre bout, Antoine. Donc là, on va mettre le chevreuil. On va faire griller le chevreuil. Les légumes, on va mettre plus tard. Après, on va faire autre chose avec les légumes. D'accord. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Tu prends la casserole. Oui. Tu mets les oignons dedans. Un petit peu de sel. Je vais touiller la viande, Antoine. Tu rajoutes de l'eau. Et puis, tu le mets à côté des navets. Tu te rappelles de quoi je t'ai parlé tout à l'heure? Pas du tout. Singer. Oui. Et bah hop, tu mets un peu de farine dans le chevreuil. Une bonne cuillère à soupe. Hop, parfait. Et on remue tout vite. Donc c'est le même principe qu'un roux, en fait. C'est ça, en fait on va servir du gras qu'on a mis tout à l'heure et puis de l'eau dégagée par la viande pour faire la liaison de notre plat. Et après ça, on dégraisse. Ah, la partie la plus amusante. Allez, toute la bouteille ou pas? Non, mais la moitié de la bouteille, ça devrait aller. Je vais mettre une bouteille. Nous sommes très généreux dans les vins. Après avoir mis le vin rouge, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mouiller. D'accord. Et là, c'est un fond brun maison. Ok, donc tu l'as fait à base de quoi? Alors là, c'est des os de volaille, ouais. De lapin, qu'on fait griller au four. D'accord. On mouille avec de l'eau, on fait bouillir pendant 2-3 jours. À 2-3 jours? Ouais, après, on fait réduire. Et puis là, on a un concentré de goût. Exceptionnel. Okay. Donc tu peux le mettre à l'intérieur. Je verse tout d'un coup? Ouais, tu mets tout. Ok, c'est parti. Parfait, ensuite je te laisse remuer un petit peu. C'est ce que je voulais dire. Du coup, à partir de là, ce qu'on va faire, on va juste laisser mijoter. D'accord. Oui. Et puis on va finir les préparations pour les garnitures. Ok. Assez technique, vraiment, suivez bien. Prenez votre beurre. Et toi? Tout était au top. Je fais que ça. Vous pouvez voir en plantant dans la bille, elle rentre pas facilement. Donc ça veut dire que la bille n'est pas encore cuite. Le navet, lui, par contre, commence à s'approcher vraiment de la cuisson. On va bientôt pouvoir le réduire en purée. Du coup, on va s'attaquer au purée. Tu vas prendre les carottes, les poser sur le tamis, et puis tu vas les écraser à l'aide de la corne contre le tamis pour récupérer la pulpe en dessous du tamis. Tu me dis stop. Hop, c'est bon. Tu fais ça. Au centre. Ouais. Tu fais ça, et puis après tu... Et là, avec quel côté? Avec le côté un peu anguleux, là? Peu importe. Ouais. Peu importe. Bah, le côté arrondi, ouais. Oh, le côté ok. Arrondi, là. Et là, j'écrase. C'est ça. Fais attention à ta chemise. Oh, c'est mal parti. C'est pris un peu trop. Ce que j'ai envie. Ouais, d'accord. En fait, mon menu au restaurant, il change tous les week-ends. Tous les week-ends, tu changes? Tous les week-ends, ça change parce que tous les week-ends, j'ai envie de faire autre chose. D'accord, ok. C'est simple, j'évite de faire comme tout le monde. À la Bresse, ils sont beaucoup à faire du marquaire. Donc, le marquaire, c'est pommes de terre, lard, fromage. Ouais. Et j'avais envie de sortir un peu de ça un quand peu même. Le côté montagnard. Ouais, j'avais envie de sortir de ce côté montagnard. Donc, parfois, je propose des tartares de thon avec des fruits exotiques. Je propose plein de choses complètement différentes toutes les semaines. D'accord, ok. Et que avec des produits locaux là. Au maximum. D'accord. Le thon, le saumon en général, on n'a pas trop dans ouais, la mozzote. T'essayes mais ouais, ouais, après on... Ok, d'accord. Au maximum, au moins pour les légumes. Et t'as des inspirations, c'est plutôt cuisine française ou vraiment t'essayes d'innover? Non, ouais, je m'intéresse à tout. Mais d'accord. Du coup, et je pense que c'est ça qui plaît aussi aux gens. Parce qu'ils viennent toutes les semaines et puis ils sont tout le temps...
ils mangent jamais la même chose. Quoi. Donc là, on a récupéré uniquement la pulpe de la carotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va la lier un tout petit peu avec un petit peu de beurre. Et après, on fera exactement pareil pour le céleri. La même méthode pour le céleri là, mais c'est plus compliqué. Alors le céleri c'est beaucoup moins dense que la carotte, donc ouais, ça passe mieux, mais il y a plus de fibres. D'accord. Il y a aussi un petit peu plus de pertes. Ok, il y a plus de pertes, mais il y a peut-être aussi l'intérêt d'utiliser ça, s'il y a plus de fils pour éviter de les retrouver dans la purée. Exactement. Ok. Tu vois, tout compris. D'accord. La dernière étape, ouais, c'est la mise en place. Alors là, je vais te laisser faire parce que je pense que c'est un peu ta patte d'artiste. Ouais, donc je pense que c'est mieux que ce soit toi qui le fasse. On va regarder. Très bien. Et on va apprécier. C'est parti. La vidéo touche à sa fin. Antoine, je te remercie pour cette belle recette. Un vrai plaisir pour moi. On a vraiment partagé un bon moment. Je remercie toute la team en tout cas d'avoir préparé ce chevreuil qu'on va s'empresser de goûter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous pouvez également partager et refaites cette recette et envoyez-nous vos petites photos qu'on s'empressera de repartager sur nos réseaux. Antoine, je te propose qu'on se quitte en mangeant un petit morceau de chevreuil. Et puis voilà. Allez. C'est parti. Allez. En tout cas, je vous remercie. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus. Salut. Bisous. Le lien du restaurant est dans notre description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, allez tester. C'est vraiment super bon. Allez. Bisous.